Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo défi. Alors les gars, sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver absolument tous les défis de ce chapitre 4. Donc si jamais il y a un défi que vous n'arrivez pas, par exemple fouiller des coffres, vous ne savez pas où sont les coffres sur la carte, eh bien il y aura une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer. Donc vraiment, si vous avez un problème de n'importe quel défi, vous allez sur ma chaîne YouTube ou sinon vous marquez dans la barre de recherche YouTube le nom de votre défi avec Ensu à la fin et puis vous allez tomber sur ma vidéo. Alors évidemment les gars, on n'oublie pas. Attendez, on va lancer la partie parce que vous allez voir après, je vous expliquer. Donc on n'oublie pas le petit code créateur Ensu dans la boutique Fortnite pour acheter le pass de combat ou même pour acheter des skins. Parce que je vous le rappelle, je suis un petit youtubeur de 5000 abonnés, les gars, j'ai pas 1 million d'abonnés, j'ai pas 100 000 soutiens dans mon code créateur. Donc un petit soutien, ça me ferait très plaisir et puis ça m'aide beaucoup. Parce que au lieu de vous divertir comme les gros youtubeurs, moi carrément je vous aide. Je fais des défis pour vous. Donc je trouve que c'est encore mieux et donc ça mérite un petit soutien. Si vous voulez pas le faire, il n'y a pas de problème. Mais n'hésitez pas. ENDSKEW. Alors c'est parti, on va lancer la petite partie. Alors je vous le rappelle, comme d'habitude, je suis sur mon compte secondaire parce que j'ai déjà fini les défis sur mon compte principal. Tout simplement parce que au moins ça me permet de savoir les défis à l'avance, déjà les faire. Et comme ça, je connais les meilleures astuces. Je ne vais pas vous dire, par exemple, aller dans tous les coins de la map. Donc, je sais exactement les emplacements. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour vous. Donc, voilà pourquoi je suis sur mon compte secondaire. Il n'y a pas non plus de montage, les gars. Parce que on fait tout en direct ici. Comme ça, vous voyez que tout est faisable sans pause, sans montage. C'est directement le même timing. Donc, si vous voyez que ma vidéo fait 1 minute, ça veut dire que chez vous, le défi, vous pouvez le faire en 1 minute. Donc, c'est très cool. Hop. Et puis évidemment aussi, pas de pause non plus. De toute façon, sur mon logiciel de montage, on ne peut même pas faire de pause, donc c'est un peu triste. Et donc aujourd'hui, le défi, qu'est-ce que c'est? C'est celui-là, si je dis pas de bêtises, survivre jusqu'à ce que des renforts soient disponibles. Et on pourrait se dire, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a peut-être des personnes qui ne savent même pas ce que c'est. Et donc, je vais vous l'expliquer tout de suite. Hop, je vais faire ne plus suivre. Il y a une petite étoile qui va s'enlever. Vous savez quoi? On va laisser ça. Suivre la quête, ça permet de la montrer sur la carte, mais ça marche pas tout le temps, évidemment. Donc c'est parti, le bus qui démarre, qui est très stylé, l'animation, j'aime beaucoup. On va sauter évidemment direct, si vous voulez faire le défi le plus vite possible, sautez direct et allez n'importe où sur la carte. C'est ce qu'on va faire, et donc je vais vous expliquer comment faire ce petit défi. La map qui est très jolie quand même, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est votre map préférée? Ça se peut, moi c'est pas ma préférée, mais j'aime beaucoup. Hop, donc on va atterrir. On va éviter d'aller avec un petit monsieur, sinon on va se faire tuer. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, quand vous faites votre défi, évidemment, allez dans un endroit bien calme. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a personne dans cette petite maison. Hop, on va atterrir. Boum. Je vais pas prendre d'armes parce que j'ai pas envie de faire des défis. Hop, si vous voulez faire plein de défis en même temps, récupérez tout ce que vous trouvez, mais moi, je vais rien récupérer parce que je veux faire seulement le défi d'aujourd'hui. Donc, c'est parti. On attend. Là, le défi, il faut juste attendre, les gars. Je vous l'ai même pas dit. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait en train de camper comme un bambi? Vous inquiétez pas, c'est fait exprès pour le défi. Donc, il faut juste attendre. Je sais, c'est un petit peu long. Mais on attend, on attend. Hop. Normalement, ça devrait aller dans 20 secondes, peut-être. En même temps que la première zone, je pense. Pendant ce temps-là, on va vite fait aller dans nos paramètres parce que je crois qu'il y a une nouvelle touche pour ce défi. Je sais pas si je vais le trouver. Ah non, je ne l'ai pas encore. Donc on va attendre. Normalement, dans 4 secondes, le défi. Attention, on va voir. Ah non, j'ai pas l'impression. Attendez. En fait, je vous explique le défi en attendant, hein. En gros, vous allez devoir survivre. Donc ça, vous savez ce qu'il faut faire. C'est juste survivre dans la partie. Jusqu'à ce que des renforts soient disponibles. Et qu'est-ce que c'est les renforts? En fait, ça va apparaître sur votre écran, c'est pour ça qu'on attend. Ça va apparaître à droite de mon écran. Et tout simplement, en fait, il va y avoir une sorte de boost, j'ai envie de dire. Genre des. En fait, vous allez avoir soit munitions illimitées, soit du soin instantané, même des armes des fois. Et donc, c'est ça un renfort. Et ça va apparaître sur votre écran. Et donc là, en fait, je me demande quand est-ce que ça apparaît. Parce que je l'ai déjà fait sur mon compte principal. Sauf que j'étais pas là juste à faire mon défi, j'étais en train de jouer. Ah si, c'est parti! C'est parti les gars. Vous le voyez en bas à droite. Donc vous le voyez, c'est. Il y a 3, 2, 1. Hop! Voilà. Il faut que j'appuie sur la touche 7. Donc renfort disponible.
Vous avez vu, le défi est validé. On peut quitter. Et voilà. La vidéo aura duré un peu plus longtemps que prévu. Je suis désolé parce que je ne savais pas exactement le temps que ça mettait. Mais vous avez vu, 5 minutes, c'est très simple. Et donc, on peut voir, le défi est validé. On est à l'étape 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pensez au code créateur NCU dans la boutique Fortnite pour me soutenir. On n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement et les commentaires. Allez, ciao!